Ah, vous êtes là. Vous tombez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Sonia Delaunay, qui a eu l'idée saugrenue de faire marcher ses tableaux dans la rue. Tout est parti d'une petite anecdote. Le fils de Sonia est malade. Elle décide donc de lui faire un petit plaid pour lui tenir chaud. Elle va donc rassembler toutes les chutes qu'elle a autour d'elle, les coudre entre elles et nous faire un joli plaid. Mais bien plus qu'un plaid, elle va nous créer un nouveau mouvement artistique, l'orphisme. Et il y a plein de tâches sur ce truc. L'orphisme, c'est utiliser des formes géométriques simples, des couleurs simples, de tout rassembler pour faire de l'art abstrait. Comme ce tableau par exemple. C'est vrai qu'on a envie de s'en faire un plaid. Sonia va donc se débarrasser de ses pinceaux pour sortir sa machine à coudre. Elle va commencer à travailler pour des ballets, pour faire les costumes et les décors. Ça y est, Sonia Delaunay, la businesswoman est née. Elle va même ouvrir sa propre boutique de mode, avec des vitrines, des pages de publicité dans les magazines, et même des mannequins. Et à l'époque, tout ça, c'est révolutionnaire. Qu'est-ce que t'en penses ? Et elle ira encore plus loin. Elle se dira, et si on associait la couleur de notre véhicule à la couleur de nos vêtements ? En 1925, elle déambule dans les rues dans une voiture de la même couleur que sa robe. Moi, je suis pas dans la merde. Sonia Delaunay a fait passer l'œuvre d'art du musée à la rue. Chapeau ! Ils sont quand même balèzes, ces artistes.